solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere, este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Qu'est-ce que tu fais dans la chambre de ma femme, Edmundo? C'est moi qui ai demandé au docteur Tovar de venir me voir parce que je ne me sentais pas bien. Tu le reçois comme ça, en peignoir, et la porte fermée? Je suis en peignoir parce que je suis vraiment mal. Et j'ai fermé la porte parce que le docteur m'examinait, Augusto. Ça demande de l'intimité, non? De l'intimité? Mais il n'y a personne à la maison. Oh, Augusto, je t'en prie. Tu es en train de nous parler comme si on avait commis une faute. Ce n'est pas vexant que pour moi, mais aussi pour le docteur Tovar. Je ne cherche à vexer absolument personne. Je ne te savais pas malade, ni qu'Edmundo devait te voir. Il y a un moment, ta femme m'a appelé pour me demander si je pouvais venir. Et qu'est-ce qu'elle a? Je t'expliquerai après ce que j'ai. Le docteur doit partir parce qu'il y a encore des patients qui l'attendent. C'est vrai. Et au revoir, Carmina. Remettez-vous. Quoi qu'il arrive, appelez-moi. Merci. Merci, docteur. Augusto. Je pensais que tu étais partie à Mexico sans me dire au revoir. Finalement, je ne pars pas, mon amour. À vrai dire, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé hier. Je regrette. Tu me pardonnes? Je ne comprends pas ce qui t'a fait changer d'attitude aussi soudainement. En réalité, je suis affreusement désolée. Tellement que je suis allée m'excuser auprès d'Elisa. Vraiment, tu me surprends, Florencia. Amour, je regrette, sincèrement. Je lui ai demandé pardon et je l'ai invité à la fête. Écoute, si tu me dis que c'est ton amie, je te fais confiance. Je ne sais pas si elle viendra, mais je l'ai invitée. Je crois que c'est important qu'elle soit avec toi ce jour-là. Et où es-tu allée la trouver? Parce que j'imagine que tu ne sais pas où elle habite. Je suis allée la voir dans une maison de mode où elle travaille. Mon oncle m'a dit où la trouver. Paolo? Et comment sait-il où travaille Elisa? Je crois qu'ils se sont fait amis. Un truc comme ça. Bonsoir, chère madame. Bonsoir. Je viens chercher Elisa, elle est là? Pardon. Permettez-moi de me présenter. Je suis Paolo. Paolo Landucci. Vous devez être sa mère parce que vous êtes très belle. Non, je suis sa marraine. Pour le moment, Elisa n'est pas là. Mais si vous voulez lui laisser un message, je lui donnerai avec plaisir. Vous êtes très aimable et je vous en remercie. Mais à vrai dire, je préférerais lui parler personnellement. Vous pouvez peut-être me dire où elle habite? Non, impossible, voyez-vous. Elisa ne m'a jamais parlé de vous et en plus j'ignore si elle serait d'accord que je vous donne son adresse, vous comprenez? Ne vous en faites pas, je comprends parfaitement. Écoutez, dans ce cas-là, vous pouvez peut-être lui remettre ceci. Et lui dire s'il vous plaît que le jour de la fête, je passerai la prendre où elle voudra pour aller au domaine de Damien, puisque j'ai appris que ma nièce l'avait invitée personnellement. Je lui donnerai. Vous êtes très aimable, je vous en remercie beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Non mais regarde où tu vas, t'es malade? Ah, parle pour toi. Désolé, madame Blanca. Je cherche Elisa. Ne t'inquiète pas. Elisa est chez moi depuis hier. Ah, je suis bien content de le savoir, madame Blanca. Alors j'y vais maintenant. Non. Attends, ne va pas aussi vite. Attends un peu. Il vaut mieux que tu ailles la voir dans la soirée. Parce qu'elle est sortie, là. Et il me semble qu'elle est partie avec Paloma. Ah, d'accord. Très bien. Merci beaucoup, madame Blanca. Alors, je passe la voir dans la soirée? Dans la soirée. Merci. Oui, au revoir, madame. Passe une bonne journée. Ah, c'est chouette.
Pourquoi est-ce que tu ne m'avais rien dit, Carmina? Je voulais d'abord être sûre de ce que j'avais avant. Et ce n'est pas possible avant d'avoir les résultats des examens qu'on m'a fait. Tu aurais peut-être pu m'en parler dès le début. Il se trouve que j'ai peur, Augusto. J'ai peur d'avoir quelque chose de grave. D'habitude, je vais au cabinet du docteur Tovar. Mais aujourd'hui, il est venu parce que je ne me sens pas bien. Je te jure que je ne me sens pas bien du tout. Je n'aime pas que tu me caches des choses. À partir de maintenant, chaque fois que tu iras voir Edmundo, je viendrai avec toi. Non, Augusto, non. Ce n'est pas nécessaire, vraiment. Tu as assez de problèmes avec tes plantations et le reste pour t'occuper en plus de moi, non? Je te promets de te tenir au courant de tout, ok? Augusto, est-ce que je peux me reposer un peu? J'ai besoin de me reposer, voir si je peux me sentir un peu mieux. Mais bien sûr que je vais aller à cette fête, Elisa. Mais évidemment, ce serait bien la première fois qu'on m'invite au domaine des Arango. Tu penses bien que je ne raterai cette occasion pour rien au monde. Quel besoin as-tu de voir la tête de Madame Alfonsina? Dis-moi, tu es folle, Paloma. Elle est capable de te chasser. Pourquoi? C'est sa belle-fille qui m'a invitée. En plus, toi aussi, tu devrais y aller. Non, 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 non. Tu sais que je n'y mets pas les pieds et ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? À cause de la mère de Damian ou pour ne pas être là quand ils vont annoncer qu'il va se marier avec cette Florencia? À cause de Madame Alfonsina, cela va de soi. Tu crois que je lui ferai le plaisir d'aller chez elle, même si elle acceptait que j'y aille? Je n'irai pas après tout ce qu'elle a dit sur ma mère, sur moi, non. Eh bien moi, je vais y aller. Bonjour, docteur. Bonjour, Elisa. Excusez-moi, docteur, je peux vous parler un moment? Oui, bien sûr, entre. Assieds-toi, s'il te plaît. Merci. Dis-moi, en quoi puis-je t'aider? Je veux savoir comment va ma tante Carmina. Et pourquoi tu me demandes ça? Eh bien, parce qu'elle m'a dit que dernièrement, elle se sentait très mal, qu'elle ne savait pas encore ce qu'elle avait, mais elle a des examens à faire, non? Bien, bien, oui, c'est ça. Et vous, vous n'avez pas idée de ce qu'elle peut bien avoir? À vrai dire, non, nous ne savons pas encore. Mais bon, oui, c'est ça. Ta tante doit faire tous les examens dont elle t'a parlé et ensuite nous devons attendre les résultats. Hein? Mais tu vois, je ne veux pas que tu t'inquiètes. Dès que je sais quelque chose, je te le dis. Pourvu que ce ne soit pas grave, je peux vraiment compter sur vous. Si vous apprenez quelque chose, vous me le direz? Je viens de te le dire, oui, bien sûr. Je t'en informerai aussitôt, mais écoute, ce n'est pas que je veuille te faire partir, tu vois, mais j'ai la tête occupée des patients qui vont arriver, c'est des bon, choses à voir. Je ne veux pas vous retarder, docteur. Au revoir et merci beaucoup. Je peux? Bien sûr que oui, monsieur Lucio. Entrez. Bonsoir. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Tu sais, je suis venu te dire que ta fille Elisa est parmi nous en ce moment à la maison et je pensais que ça te rassurerait de le savoir. Pourquoi vous et Madame Blanca m'avez dit que non quand je suis venu ce matin? Je comprends que ça t'ennuie, mais Elisa ne voulait pas que tu saches que qu'elle était chez nous. Je trouve choquant que vous vous prêtiez à son jeu. Non, non. Ce que je trouve de choquant, c'est la manière dont tu te comportes avec ta fille. Si elle a quitté la maison, c'est parce que tu l'as mise dehors sans aucune considération. Tu t'es simplement contenté de la mettre à la rue, c'est tout. Écoutez-moi bien. Non, c'est toi qui vas m'écouter maintenant. Elisa est ta fille, la seule que tu aies eue. Et je ne comprends pas pourquoi, quand Stefania est morte, tu as cessé immédiatement de prendre soin d'elle. Et ce, comme si Elisa était une charge pour toi. Je ne suis même pas sûr que ce soit ma fille. Mais où est-ce que tu es allé chercher cette énormité? Non, ce n'est pas une énormité. Rosendo et Stefania m'ont trompé pendant des années durant. Et j'ignore si c'est ma fille ou la sienne. Ce qui est sûr, c'est que cette Elisa Castagnone n'a absolument pas la moindre honte. Je t'offre un thé glacé.
deux thés glacés à l'hibiscus, s'il vous plaît. Très bien. Moi, un sirop d'orge, s'il vous plaît. Très bien. Fini de me raconter. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Lisa? Ah, ne me dis pas que tu ignores qu'elle essaie de mettre le grappin sur le fils de Madame Alfonsina Rango. Ah, mais hier soir, la fiancée officielle du jeune homme les a chopés bien enlacés, là, sur la place. Ouh, ça a drôlement chauffé pour Elisa, tu peux me croire. Et c'est tant mieux. Ben oui, elle veut à coup sûr marcher sur les pas de sa mère. Tu te rappelles qu'elle a pris le mari de la pauvre Madame Alfonsina? Oui, c'est vrai. Mesdames. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Avec mon plus grand respect. Aïe. Oh. Espèce de vieille commère. Quelle mufle. Ah, mais bien évidemment que c'est ta fille. C'est le doute qui anéantit ma vie. Voyons, Augusto. Mon Dieu, enfin, il n'y aurait rien de plus facile que de t'enlever le doute. Tu n'as qu'à faire un test de paternité. Je suis un lâche. Je n'ai même pas le courage de faire ce test. Mais tu comprends, moi, à ta place, je ferais n'importe quoi pour pouvoir sortir de cet enfer. Va faire ce test de paternité, Augusto. Et je te garantis que tu auras bel et bien la preuve qu'Elisa est ta propre fille. Non. Je sais que non. Bon, écoute, en supposant qu'elle ne soit pas ta fille, tu n'as vraiment aucune raison valable de te comporter avec elle de cette horrible manière. Tu l'as vue naître, Augusto. Tu l'as vue grandir. Je ne crois pas que tu sois un père aussi insensible au point de rien éprouver pour elle. Chaque fois que je la vois, elle me rappelle Stéphania. Ses mensonges, sa trahison, son hypocrisie. Elisa n'est pas responsable de tout ce qui s'est passé, et encore moins de tes obsessions. Écoute-moi bien. Si tu la délaisses, tu vas la perdre. Et tu vas la perdre pour toujours. Ta fille est forte et elle a son caractère. Mais dis-toi bien que l'ambiance dans laquelle elle a évolué depuis toutes ces années l'affecte énormément. C'est tellement facile de juger de l'extérieur. Je ne suis pas en train de te juger, Augusto. Je veux juste essayer de t'expliquer simplement tout ce qui est en train de se passer. Tu n'imagines pas ce que j'aurais donné pour avoir un enfant. Et toi qui as la chance d'avoir une fille merveilleuse, tu l'agresses, tu la blesses. Veille sur ta famille, Augusto, ou je te garantis qu'elle va finir par se désagréger complètement. Et tu finiras seul. Seul. Et sans rien. Elisa! Je t'ai cherché toute la journée. J'ai su que tu avais eu un problème avec ton père et que tu es partie de chez toi. Oui. Et je ne veux pas qu'il sache où je suis. Mais pourquoi tu n'es pas venue me voir pour me dire ce qui s'est passé, enfin? Écoute, Gaël, je ne pouvais pas aller te chercher chez le père loupé à minuit. Mais tu es quand même bien allée voir Damien, non? Oui, oui, j'ai appris. Sa fiancée vous a trouvé sur la place. Attends. Je ne suis pas allée le voir. Je l'ai juste rencontré par hasard, c'est tout. Ah, c'est aussi par hasard que tu es tombée dans ses bras. Attends, tu ne vas pas me crier dessus et encore moins me faire des reproches. Tu n'as aucun droit de me faire des reproches. Bien sûr que j'en ai le droit. J'ai tout le droit du monde parce que j'ai toujours été à tes côtés. Parce que je meurs de jalousie. Parce que je t'aime de tout mon cœur, Elisa. Quoi, c'est si difficile à comprendre, hein? Tu m'aimes? Bien sûr que je t'aime. Ne fais pas l'innocente, ma belle, comme si tu ne le savais pas. Oh, mais Gaël, j'ai toujours pensé que tu étais comme mon protecteur. Que tu crois que je suis quelqu'un de fragile, de faible et que je suis très seule, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. J'ai toujours voulu te protéger pour une seule et même raison. Et c'est parce que je t'aime. Parce que j'ai un énorme besoin de prendre soin de toi. De te donner ce soutien que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Je crois que tu confonds les choses. Ce que tu ressens pour moi, ce n'est pas de l'amour. C'est une grande tendresse, une profonde amitié. De tant d'années de se côtoyer, d'être tout le temps ensemble. Non, tu ne vas pas me dire ce que je ressens car il n'y a que moi qui le sais. Si j'osais te le dire, me confesser à toi,
C'est parce que je n'en peux plus. Parce que cela me dévore de l'intérieur et je ne peux vraiment plus me taire. Gaël. Non, 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 Elisa. Ne t'inquiète pas pour autant. Ça n'a pas à être réciproque. J'ai toujours su que tu ne voulais pas de moi. Je t'aime. Je t'aime beaucoup comme un frère, Gaël. Ne me dis pas ça. Je suis sûr que tu n'aimes pas Damien comme un frère. N'est-ce pas? C'est pas vrai. Excuse-moi, ma fille, mais il fallait que je prévienne ton père que tu étais ici. Allons dans la chambre, ma chérie. Elisa et Augusto ont des choses à se dire. J'ai été très dur avec toi hier soir. Tu n'étais jamais allé jusqu'à me mettre dehors. On s'est disputé pour une bêtise, mais... Tu as raison. Tu as le droit de défendre ta propriété, de faire ce que tu veux. Oui. On s'est disputé pour une bêtise. Mais ça reflète la mauvaise relation que nous avons. Ah, ma fille, tu as une de ces manières de voir les choses. Ne te justifie pas. Après tout, tu es mon père. Je t'aime. Je te respecte. Mais je ne peux pas non plus t'obliger à ressentir la même chose pour moi. Chérie, je ne voulais pas te jeter dehors. Je me suis laissé emporter par la discussion. Il se trouve que je suis une gêne pour toi. C'est ça la vérité. Tu sais ce que je viens d'apprendre? Dolores allait se marier avec Braulio. Et à la mort de maman, elle a annulé ses engagements pour moi. Pour rester avec moi. Parce que j'étais très seule. Et alors, qu'est-ce que ça a à voir ? Laisse-moi finir de parler. Qu'est-ce que toi, tu as fait aussitôt après le décès de maman ? Tu t'es mariée avec ma tante. Tu m'as écartée. Et toutes ces années... Elle a été plus importante à tes yeux que moi. Non, tu sais que ça n'est pas vrai. Si c'était le cas, je ne serais pas là à parler avec toi. J'aimerais que tu rentres à la maison. Et pourquoi veux-tu que je rentre? Pour que je continue à t'encombrer. Tu sais bien que non. Mais je ne t'obligerai pas. C'est toi qui décides. Tu peux aller voir Elisa et lui dire que tu passerais la prendre pour la fête. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne vois vraiment pas où est le problème. Tu l'as toi-même invitée à la fête. Oui, mais pas pour qu'elle vienne. C'était seulement pour faire plaisir à Damian. Ah, très bien. Alors dans ce cas, il faudrait bien faire les choses, Florencia. Je t'ai déjà dit qu'il vaut mieux qu'elle vienne à la fête et je vais t'expliquer pourquoi. Il est important que Damian se rende bien compte que tu cherches à agir de bonne foi. En plus, c'est dans ton intérêt qu'Elisa... te vois avec Damien. Et bien évidemment, c'est également dans mon intérêt, histoire de commencer à construire une relation avec elle. C'est d'accord. Qu'elle vienne. Si tu arrives à la convaincre. Ne t'inquiète pas pour ça, je m'en charge. La seule chose que je te demande, eh bien, c'est que tu m'aides à trouver rapidement l'adresse d'Elisa. Ou tu préfères que je la demande à Damien? Non. Je ne préfère pas. Je me renseigne. Bien. Bonjour, Florencia. C'est Madame Alfonsina qui m'a dit que tu étais là, mais elle ne m'a pas dit que tu étais en si bonne compagnie. Je ne sais pas quoi faire, Blanca. Je ne suis pas sûre de devoir rentrer à la maison. Pourquoi faire? De toute façon, mes rapports avec papa seront toujours exactement pareils. Si ton père a fait l'effort de venir te parler et te demander de rentrer à la maison, peut-être que ça veut dire qu'il va
changé à ton égard, ma chérie. Non, 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 non. Il est venu parce que mon parrain est allé le trouver. Mais c'est tout. Mais de toute façon, il a quand même le mérite d'être venu, non? Il a ravalé son orgueil. Ne rate pas la possibilité d'un rapprochement entre ton père et toi, Elisa. C'est important. Je ne sais pas. Je suis confuse et je ne peux pas arrêter de penser à Dolores. Elle qui a fait tant de sacrifices pour rester près de moi. Peut-être que je ferais mieux de ne pas rentrer à la maison pour qu'elle puisse quitter le domaine et refaire sa vie. Ce n'est pas un sacrifice pour elle d'être avec toi, mais un acte d'amour. Enfin, je ne veux pas non plus te forcer à faire quelque chose que tu n'aurais pas envie de faire. Tu sais que tu es ici chez toi et que tu pourras rester tout le temps que tu voudras. Hmm? Viens, je reviens. Ah, quelle tête en l'air, mon Dieu. Tiens, tiens, j'allais oublier. C'est un cadeau de la part de Paolo, l'oncle de la fiancée de Damian. Il te fait dire qu'il passera te prendre où tu voudras pour t'emmener à la fameuse fête. Oh. Gaël aussi est venu te voir. Oui, 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 je l'ai vue.